Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles, Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi 2 juin 2021, 9e semaine du temps ordinaire, année B, lu par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Mathias Etier, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Anoumou Sassou, père de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre de Tobie. Chapitre 3.
les versets 1 à 11, 16 à 17. En ces jours-là, la mort dans l'âme. Moi, Tobie, je gémissais et je pleurais. Puis, au milieu de mes gémissements, je commençais à prier. Tu es juste, Seigneur. Toutes tes œuvres sont justes. Tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'attendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais les nombreux jugements que tu portes contre moi. Pour mes péchés, et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris, pour que je disparaisse de la face de la terre, et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur, car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversités à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à attendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel, de Bathan, à Médie, se fit, elle aussi, insultée par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée cette fois et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'elle ne soit approchée d'elle. Donc, la servante dit à Sarah, c'est toi qui as tué tes maris, et voilà déjà cette à qui tu as été donnée en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter, sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre. Puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. Ce jour-là, la mort dans l'âme se mit à pleurer. Et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père avec l'intention de se pendre. Mais, à la réflexion, elle se dit, eh bien, non. On ira insulter mon père et lui dire, tu n'avais qu'une fille, une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai ainsi descendre mon vieux père, plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir pour que je n'aie plus à attendre
de telles insultes à longueur de vie. À l'instant même, elle entendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut montée à présence de la gloire de Dieu où elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous les deux, à Tobie pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux il voit la lumière de Dieu, et à Sarah, fille de Raguël, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobie, et expulser d'elle Asmodée, le pur des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser plutôt qu'à tous ses prétendants. Parole du Seigneur. Veillez, répétez après moi le repos du psaume 24. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne me laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception, pour qui trahit. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne n'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 18 à 27. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait sept frères.
Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des sept ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse? Puisque les sept l'ont eu pour épouse. Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, la page de l'Évangile que nous méditons en ce jour nous invite à croire à la résurrection des morts. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ce qui vient à dire que notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a accepté de mourir tout en refusant la mort. Pour lui, l'acte de mourir ne débouche pas sur la mort, mais sur la vie, n'aboutit pas au vide, mais à la plénitude, n'est pas la fin, mais une étape. Dieu aime intensément les êtres humains, au point de leur donner la vie sans tricher, sans faire comme une mère cruelle qui ferait goûter à son enfant un bon gâteau, pour ensuite le lui enlever. Dieu ne nous donne pas la vie pour nous faire souffrir en nous l'enlevant. Il la donne pour toujours, généreusement, infiniment. C'est pourquoi Jésus affirme que les morts doivent ressusciter. Ils reçoivent de Dieu une existence débarrassée de toute trace de mort. C'est pour cette raison que Jésus ne soutient pas les Sadducéens dans cette conception matérialiste. Il est impossible de réduire la vie après la mort à une continuation de la vie terrestre. Dans l'au-delà, on ne se marie pas. On n'est pas marié comme on l'est sur la terre. On est alors devenu des anges dans les cieux. La résurrection n'est pas un concept, une idée qui décrit et explique l'au-delà, mais un don fait à tous ceux qui veulent vivre de la vie de Dieu. Car la vie ou la mort se joue dans la rencontre avec le Dieu de la vie. Mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Il est le Dieu de la vie, le Dieu des vivants, le Dieu qui fait vivre. Croire en Jésus-Christ revient donc à croire en la bonté de Dieu qui ne se dément pas. Quand il donne, c'est pour toujours. Et quand il fait vivre, c'est pour toujours. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.